Я очень рад приветствовать наши гости. Je suis très heureux d'accueillir nos invités venus de Chine dans notre studio. On peut improviser. Je dirais même que Viktor Aristov est plutôt un citoyen du monde, car dans de très nombreux pays, il est accueilli comme chez lui, et on peut même dire qu'il y a beaucoup de maisons où Viktor sera le bienvenu. Daniel est aussi notre invité de Chine et nous sommes très heureux de l'accueillir chez nous. Aujourd'hui, nous avons eu une journée très chargée. Nous avons tenu plusieurs réunions de travail et j'aimerais bien demander à Daniel quelle est son impression de tout ce qui se passe. Daniel dit qu'il est très impressionné et qu'en fait, il aurait dû venir un peu plus tôt parce que la technologie de notre entreprise l'a vraiment surpris. Il s'agit d'une haute technologie d'ailleurs. C'est ce dont son entreprise a besoin. Par conséquent, il aimerait beaucoup établir une coopération ultérieure. Nous en sommes très heureux, car en effet, il s'agit du début de nouvelles relations. Nous pourrons vraiment coopérer de manière très productive à l'avenir. Oui, Daniel partage votre opinion. Je voudrais vous corriger un peu, Alexandre. Vous parlez de nouvelles relations, mais beaucoup savent bien que nous avons déjà commencé notre travail commun et que nous avons créé un projet en collaboration avec une usine chinoise. Daniel n'est pas seulement un gestionnaire, il est le vice-président de cette usine. Donc, en arrivant ici, il a montré ses intentions et les intentions de l'usine en général de coopérer avec nous. Vous savez bien qu'une entreprise a été créée il y a 6 mois, lorsque nous avons commencé les préparatifs pour le lancement de notre production. Donc je dirais que nos relations ont déjà une histoire. C'est très important, alors je fais attention à cela. À vrai dire, en parlant du début de la coopération, j'attendais que vous me corrigiez et j'aimerais même développer cette idée. Avant cet entretien, nous avons dit que l'usine de Daniel Chan est l'une des plus grandes en Chine et produit des outils de haute qualité pour le monde entier. Pourriez-vous, Daniel, énumérer les marques avec lesquelles vous travaillez? Il ne s'agit pas d'un secret commercial, j'espère. Mm-hmm.
D'ailleurs, même en Russie, ils ont beaucoup de clients. Ils travaillent également avec des entreprises telles que Metabo, Makita et d'autres. À noter qu'ils ont des bureaux dans le monde entier, dans presque tous les secteurs d'industrie. Il s'agit vraiment d'un produit de très haute qualité, les noms de marque le prouvent déjà. Aujourd'hui, nous avons visité la zone économique spéciale Technopolis Moscou, regardé les entreprises existantes, apprécié les surfaces occupées et parlé des perspectives de développement de cette zone économique spéciale. Je voudrais connaître plus en détail l'opinion de notre collègue chinois. À quel point cet endroit est approprié pour le développement d'une entreprise ? Daniel a dit que la direction de son usine prévoit déjà cela et peut-être plus tard, ils reviendront même pour en discuter avec le directeur de la ZES. L'une des principales questions qui m'intéresse est la suivante. Nous avons également pu visiter le bureau technologique d'études d'ingénierie Sovelmash. Daniel, en tant que personne directement liée à la production dans les usines les plus puissantes de Chine, comment peut-il apprécier ce qu'il a vu dans notre BTEI Sovelmash? So what do you think about the construction site, the construction of the building as a person who connects to the production of different devices? Yes. What do you think about our building? It looks very professional. Your company is a lot of space and you have the possibility in this building. It's very different from what a child factory looks like. Your factory is big too, 600,000 square meters. It's not small, but it's what's interesting is looking is you have in one floor production. Daniel dit que notre bâtiment a un grand potentiel et qu'il a été conçu avec beaucoup de professionnalisme. Le BTOI est vraiment très impressionnant si l'on le compare aux usines chinoises. Victor, vous avez mentionné une entreprise créée pour relayer notre société et l'usine chinoise. Y a-t-il des plans dont nous pouvons parler et qui pourraient être mis en œuvre d'ici la fin de cette année? Nous avons déjà expliqué que nous avons créé une entreprise pour produire des outils à main électrique. À présent, c'est la production de l'outillage pour cet outil qui est en cours de préparation, car rien que pour les meuleuses d'ongles, par exemple, 4 moules en plastique seront créés et seront ensuite coulés. Il était prévu de commencer déjà la production, cependant il y a un retard et ce n'est pas seulement notre faute, car nous avons dû attendre des moules prêts à l'emploi ou des modèles 3D qui nous permettront de lancer la production de l'outillage. Cela est important pour notre travail de finalisation. Enfin, nous avons reçu des modèles 3D et nous pouvons déjà commencer à créer l'outillage. Les pièces pour la production de l'outillage des moteurs, notamment du rotor et du stator, ont déjà été reçues et mises en service. Nous espérons donc pouvoir lancer la production du premier lot d'essai d'ici la fin de l'année. Et puis, il y aura également des travaux sur les scies à ongles, mais en premier lieu, nous travaillons bien sûr sur les meuleuses d'ongles. Je vous propose d'aborder un peu plus ce sujet pour nos spectateurs. Un lot d'essai représente exactement une sorte d'échantillon en série de ce à quoi ressemblera un lot en série à l'avenir. Par conséquent, ce lot doit être produit, testé et ensuite mis en production en série. Oui, mais ce lot d'essais n'implique pas seulement des tests de notre part. C'est aussi des tests pratiques effectués par nos clients. Cela signifie que les outils faisant partie de ce lot d'essais seront fournis à nos clients et nous recevrons leurs commentaires sur son fonctionnement, sur la qualité et la durabilité du travail. Le client donnera également ses souhaits et précisera ce qu'il faudra changer ou compléter. C'est pour cette fin qu'un lot d'essais est fait d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'il s'agit d'une sorte de baptême du feu. Oui, exactement. Voilà, vous comprenez maintenant de quoi il s'agit, chers spectateurs. Je voudrais poser une autre question à Daniel. Aujourd'hui, nous avons visité le locaux en location de Sovelmash. Nous vous avons montré les moteurs que nous avons développés, ainsi que l'entraînement électrique intégré pour les outils à main électrique que Daniel connaît déjà. Et nous avons vu nos autres développements également. Il s'agit d'entre-eux sans engrenage, par exemple. Quelle est votre opinion à ce sujet? Avez-vous déjà rencontré les analogues de ces développements? En ce qui concerne la fabrication des moteurs, ce sont vraiment de nouvelles technologies. Elles sont différentes de ce que Daniel a vu jusqu'à ce jour. Bien sûr, Victor lui a déjà parlé de ces technologies, mais après que Daniel l'ait vu de ses propres yeux, cela lui a fait une grande impression. Positivity side from this area, from Technopolis Moscow, because now this point, this Western country, left in Russia, this big marketing possibility. What do you think about this? I think we have a great potential to do it like this. Daniel croit que l'idée de construire une usine ici a un grand potentiel. En fait, j'ai moi-même vu tout cela de mes propres yeux pour la première fois. Parce que quand la pandémie de COVID-19 a commencé, je suis partie en Chine et j'ai tout raté. Pour moi, cela a également été ma première visite du chantier et mes impressions sont énormes. J'ai pu voir tout cela de mes propres yeux et tout toucher du doigt et non seulement regarder les vidéos avec vos commentaires, Alexandre. Cependant, il serait juste de souligner que vous, Victor, êtes l'une des premières personnes à avoir commencé ce projet et que vous n'êtes pas un simple participant mais un partenaire à part entière. C'est grâce à vos efforts et à votre participation quotidienne et directe que cette réunion a eu lieu, que la construction du BTOI est en cours et que nous avons la possibilité de réaliser le projet. Не обошлась без вашего прямого каждодневного участия. Depuis 2011, lors de la création de la société ASPP à Zelengrad, j'ai déjà participé au début de ce projet à Skolkovo. Donc oui, on peut dire que je suis impliquée dans le projet depuis son lancement. C'est agréable de voir toutes ces étapes se concrétiser. Il convient également de noter que vous êtes en contact tous les jours et une énorme quantité d'équipements, tout ce dont Sovelmash a besoin peut être acheté grâce à vous. Pas vraiment tout, car une partie est acquise sans mon aide, mais cela me donne une satisfaction, car quand on participe au développement d'un projet, on se sent partie intégrante de cet ensemble. Et oui, effectivement, nous communiquons avec vous, Alexandre, et surtout avec Dmitri Douyunov, plusieurs fois par jour. En ce qui concerne le lancement d'une nouvelle production en Chine, l'approvisionnement des composants produits et l'ouverture d'une production en Russie, tout cela est tellement interconnecté qu'il serait impossible de séparer toutes ces activités. J'ai une autre question pour Daniel. Quelle est la taille du marché des meuleuses d'angle en Chine et quel est l'intérêt de l'introduction de ces technologies sur le marché chinois? Quality power tools in the market. I think that
Daniel a dit que ce développement a un grand potentiel et qu'il est possible de produire même plus d'un million de meuleuses d'angles de ce type par an. J'ai une autre question qui m'intéresse. Quelle est la demande de la création de moteurs asynchrones économes en énergie en Chine? Il ne s'agit pas de moteurs de type BLDC qui sont assez répandus, mais surtout de moteurs asynchrones des classes d'efficacité énergétique IE3 et IE4. Ces développements sont très bons pour un usage industriel et privé en raison du faible poids et de la fiabilité du fonctionnement, c'est-à-dire grâce à des performances améliorées de ces moteurs. Je voudrais également ajouter que le gouvernement chinois accorde maintenant beaucoup d'attention à l'amélioration de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que cette direction augmente maintenant et les fabricants veulent atteindre les classes IE3 et IE4. Actuellement, la Chine utilise les moteurs de classe d'efficacité énergétique IE2, bien qu'en Russie, la norme permette encore la classe IE1. La Chine va bientôt élever l'efficacité énergétique de ses moteurs au niveau des classes IE3 et IE4. Par conséquent, l'idée d'introduire les technologies qui permettent de réduire les coûts de production, d'économiser du matériel et d'obtenir une classe d'efficacité plus élevée a un grand potentiel pour le marché chinois. On doit également prendre en compte que le marché chinois des moteurs électriques utilise 50% de tous les moteurs sur la planète. Autrement dit, en augmentant l'efficacité dans un seul pays, nous améliorerons les conditions climatiques de 50% du monde entier. Nous pouvons déjà considérer notre mission de ce point de vue. Je pense que nos spectateurs comprennent bien que si nous parlons de ces chiffres et de l'économie chinoise dans son ensemble, une introduction directe de la technologie Sri Lanka sur le marché chinois aura un effet très sérieux sur le développement de l'économie de la Fédération de Russie et sur le développement de la technologie en elle-même également. Oui, parce qu'à présent, la coopération entre la Chine et la Russie est très développée. Beaucoup se souviennent de l'époque de l'Union soviétique où la coopération entre nos pays était encore très étroite et maintenant elle reprend. Cependant, il y a une petite crainte parmi les spectateurs que la technologie puisse être transmise exclusivement au marché chinois et complètement isolée du marché russe. À mon avis, il s'agit plutôt d'une coopération mutuellement bénéfique. Oui, c'est ça. C'est ce que Daniel a déjà dit, c'est ce qu'il y a de bonnes opportunités de production. Cependant, toute entreprise prospère a une coopération étroite dans le domaine du développement et de la mise en œuvre de la technologie, c'est-à-dire dans le domaine de la production. Si ces directions ne sont pas liées, l'entreprise n'aura pas de succès. C'est ce que la partie chinoise comprend très bien. Je pense que pour le premier jour, nous avons partagé le maximum d'informations. Il convient de garder à l'esprit que ce n'est que le premier jour de nos réunions de travail, qui ont déjà été nombreuses d'ailleurs. Probablement, nous allons tourner une autre vidéo plus près de la fin de votre visite. Peut-être que nous aurons de nouvelles informations à partager avec nos spectateurs. Merci de votre attention. Merci Daniel pour votre participation et vos commentaires. Cela m'a fait plaisir. Merci beaucoup. J'espère vous revoir bientôt en direct. Au revoir.